3h du matin, on n'a pas dormi de la nuit. Enfin, il n'y a que Carla qui a dormi. Donc, on a bu genre 1 litre de Red Bull chacune. Comment vous dire que dans la coloc, c'était un petit peu étrange à partir d'un moment. Non, attends, je pleure. Chut, Carla, elle dort. Je pleure, ça m'a rappelé mon message. Tu veux de la moula? J'ai 3 dollars. Mais bon, le siège de l'avion m'attend pour dormir. C'est parti. Voilà, premier stop de mon voyage, on a tous nos priorités. Can I have a Boston cream please? Yeah. Elle est là contente. On dirait que c'est le spring break, pour ça que je mange un donut avant d'aller sur la plage. J'espère de tout mon cœur qu'il y aura un Starbucks qui est ouvert là. Non, pas dans Starbucks. Il n'y a pas de Starbucks ici? Il n'y a pas de Starbucks ici? Comment vous savez? Après cette terrible nouvelle, j'ai quand même accepté de rentrer dans l'avion, à condition qu'on ait de la bouffe. Voici l'histoire du sandwich tomate mozzarella qui coûtait 10 euros. Et voici l'histoire du jus d'orange qui coûtait 7 euros. Le restaurant le plus cher et le moins étoilé de New York, c'est ici. Bon petit déjeuner. Repas de qualité. Tu peux nous montrer la taille de la tablette? On a pris l'avion le moins cher, compagnie ultra low cost, mais j'ai la fenêtre. Voici la tête d'une meuf qui n'a pas dormi. Super, désolé, je vous infligé ça. Hey, j'ai un bouton qui pousse là mon pote, on dirait le bouton on off, tu peux m'éteindre et m'allumer. Et c'est parti pour 3 heures d'avion. Bisous, je m'envole. Fort Lauderdale, Florida, local time is approximately 8:35 a.m. Would you ask that you remain seated, seatbelt securely. Bon Miami, sympa, mais Sarah et moi on est sur une autre mission plus importante, c'est trouver un Starbucks pour se prendre un réfréchia parce que voilà, c'est comme un fumeur avec sa clope, tu vois, genre tellement j'en ai envie. On a traversé tout un parking pour arriver chez Pavou pour trouver ce putain de Starbucks qui n'est pas là. Un bug trouvé. Mais pourquoi c'est flou? Je comprends pas. Pas non plus, focus mon gars. Le croissant au chocolat qui coûtait. Croissant au chocolat, putain, je commence à parler comme une américaine. Le pain au chocolat qui coûtait 4 euros. Et qui a le goût d'un pasquet, tu sais, ceux qui sont emballés là. Ceux qui sont même pas de la boulangerie. Première chose que je fais à Paris, c'est que je rentre dans une boulangerie, je croque dans une baguette, un croissant et un pain au chocolat, genre en même temps. À 12h30, il est actuellement ma montre 11h42, donc nous ne pouvons pas encore avoir notre chambre. Elle est belle, hein, c'est une Rolex New Generation plus partenariat hashtag ad. Daniel Hollington, il disait le code promo Lena la démonétisé. Bon, actuellement en train de refaire toute ma life en me disant je pense que je vais vraiment venir emménager à Miami. Depuis que je suis arrivée, on est comme ça là. Il y a moyen que je revienne pas en fait à Paris, voilà, je vous le dis tout de suite, Guillaume prend ta valise, rejoins-moi et on reste ici tous les deux. À siroter du coca en terrasse face à la mer. On a une danseuse de hip-hop avec nous. On a Marwa Loudé. Sarah, c'est la fashionista qui s'est perdue, genre. Tu vas aller où, ma soeur? J'avoue que Yeezy dans le sable, c'est peut-être pas ta meilleure idée, Carla. Ça fait depuis 1495 que j'ai pas été à la plage. La vraie. Je pleure pas, ça va aller. Je vais à Miami. Trip de malade. Et dire que je vous aimais pas au début de l'année. Mais c'est bleu comme les yeux de Zac Efron. Plus tard dans la journée, nous nous sommes changés, nous avons la chambre d'hôtel enfin. Regardez-moi cette suite parentale.
Non, c'est pas vrai, c'est l'hôtel le moins cher qu'on a trouvé. Pourtant on a déjà payé une blinde. Mais on a quand même payé une blinde en effet. Voilà ce que je porte. Petit bandeau, pinky, paye 4€. Jupe Zafou, genre 10 balles. Et chaussures que j'ai acheté ici, genre 20 balles. Et mes lunettes, c'est des Zafou, elles ont coûté 4€. Donc on est sur une tenue qui fait le prix d'un McDo quoi. Yeah, you think you got the best of me. But just because I'm giving you my love for free, are things not for real? You've been telling everyone about us, but you are not the only one I call for fun. La taille de la petite pina colada. Je vous mets ma main en... Attends. Tu sais où est-ce que je suis, papa? Je suis à Miami. 3 jours plus tard, ces personnes étaient toujours dans l'attente de leur plat. Donc on va passer l'après-midi à la plage et voilà ce qu'on a décidé de manger. Sandwich frites. Bon, elle a pris une salade mais on la calcule pas, vas-y. Et c'est sur ces plans bleus que je vous laisse. Le premier vlog à Miami est terminé. En tout cas, je suis très heureuse d'être contente. J'adore. Un jour, il y a quelqu'un qui va parler français, ils vont nous mettre une grosse claque dans notre gueule. Oh, petit problème technique. Elle a mis de l'autobronzant, elle peut pas se laver les mains normalement. Voilà, moi je voulais juste vous montrer la douche dans le lavabo. Avant que le sort s'acharne sur cette demoiselle bronzée. Aïe. Roulée dans la terre. Non mais s'il vous plaît, d'habitude c'est moi la plus bronzée. Suivez-moi. T'es gênante. Ceci est une trace de fond de teint quand je me suis posée pour garder la vue. Voilà, voilà.